Bonjour les visionnaires. Et bienvenue à tous dans ce guide sur les codex de Battlefield 1. Je suis MFan8 et nous jouons la mission l'estafette de la campagne l'estafette. Alors, première entrée de codex, détente à eau, vaincre 10 ennemis à l'arme de poing dans le messager. Alors, qu'est-ce qu'on a? Géologie, on a 5 ennemis à la grenade à fusil. Et un peu plus loin, ça sera, comme d'habitude, les manuels de terrain que vous retrouverez dans ma vidéo guide de la 4ème campagne, l'estafette. Bon, on commence cette vidéo. La première entrée de codex, je fais le tour du bâtiment, on a un pistolet à récupérer juste ici. Pistolet avec silencieux et on a pile poil 10 balles. Ouh, ça va être difficile, je vous le dis. Ou pas. Je viens de mettre 2 balles. Vous auriez pu vous dire, une balle par tête, 10 balles, 10 victimes. Mais honnêtement, avec cette arme, ça frôle l'impossible souvent parce qu'elle est complètement imprécise. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai essayé les headshots. Des fois ça passe, des fois ça ne passe pas, même quand les ennemis sont à l'arrêt et que vous tirez dedans. Du coup, pour faire simple, on use nos balles et on va chercher un autre pistolet, bien sûr. On est à 2 victimes. Je passe le petit muret et un second muret. On fait le tour de ce bâtiment qui est à l'écart du champ de bataille, on n'a pas croisé grand monde. Et dans la caisse du centre, nous avons... Hop là! Un fusil à pompe, en vérité, hein. 4 canons, extrêmement courts, considérés comme arme de poing. Troisième victime. Il faut être très proche pour que ça fonctionne. Je l'ai blessé, je l'ai pas eu. Bon bah tant pis. Quatrième victime. Je l'ai hit également, mais... on ne l'a pas eu. Hop là, cinquième. Nous sommes à la moitié. J'aime beaucoup ce petit fusil à pompe, mais il manque vraiment de portée. Et en multijoueur, il manque de dégâts, d'ailleurs. Voilà, sixième. Foncez dessus, c'est n'importe quoi. Septième, on recharge. 8. Il y a un gars sur le toit, est-ce que je peux escalader? Oui. Est-ce qu'on arrive à le voir? Il ne s'avance pas. Bon bah tant pis, on n'a vraiment pas de portée, prenons pas de risque. On le voit vraiment pas, et derrière ça tire depuis où? Alors... je l'ai pas eu. Je l'ai eu. Et j'ai l'entrée de codex, mais on en a encore deux devant nous. Hop là, et on se met à couvert. Entrée de codex réussie avec ce fusil à pompe, il n'y a pas de difficulté. Allez, seconde entrée de codex, c'est avec les grenades à fusil. Déjà, il faut en trouver, hein, parce que là, a priori, on n'en a pas. Hein, c'est un accessoire, je vous rappelle, hein, que vous pouvez récupérer avec les flèches, hein, si vous jouez avec une manette, bien sûr. L'entrée de codex géologie. Allez, on avance. Hop là. Et là, on en a. Donc, setup, on a 3 grenades, on doit faire 5 victimes, pas de stress, il y en a un autre pour récupérer des munitions, donc une grenade, une victime suffit largement. Même si vous tirez à côté, tant pis, la seule difficulté c'est que ça n'explose pas du tout à l'impact. Je sais que dans le multijoueur, cela fonctionne mieux. Mais dans la campagne, qui n'a pas été patchée, qui possède les paramètres d'origine du jeu, il faut être honnête, c'est vraiment difficile de faire des dégâts quoi. À une certaine distance, ça peut exploser à l'impact, mais il faut vraiment être loin. Et ça a tendance à ne pas exploser comme vous voyez là. Bon, là on en a au moins eu un. Ouais, l'autre a fui à temps. Le plus facile c'est de tirer au pied des personnes. Hein. Là, on va faire un petit tir rebond. Hop, derrière le gars. Devant le gars. J'en ai eu en 2-3, parce que je sais pas si je les ai vraiment eu là. Tant pis, hein, on avance. On va en récupérer un autre. Donc un peu plus loin dans la mission. Je vais juste zigzaguer parce que j'ai pas envie de me faire abattre. Hop, on se baisse, on récupère nos points de vie. Allez, tout droit sur l'objectif. Recueillez le rapport. Juste à l'entrée sur votre gauche. Hop. Ici, quelques grenades. Donc 3 supplémentaires. On a donné 3 coups. Donc vous avez 6 coups pour faire 5 victimes. Ça va. Pur, bah recommencez, hein, faut pas vous en quitter. Là derrière j'ai recommencé pour faire cette entrée parce que c'est plus facile. Alors que de l'autre côté on avait déjà éliminé plein de personnes avec ces armes de poing. Surtout que ça conserve votre entrée, hein, y a pas d'inquiétude à avoir. Hop, lui il était trop proche, c'était en piège à cause des escaliers, je voulais pas tirer ma grenade. Lui ça devrait aller. Hop, en effet. On devrait être tout proche de notre objectif. Normalement c'est la dernière victime si tout va bien. Et en effet, entrée de codex. Allez, on s'en fait un petit dernier pour la route.
Boum! Vérifions que nous avons bien tout reçu. Détente à eau, les 10 victimes à l'arme de poing, c'est fait. La seconde entrée, géologie. Et mis les 5 ennemis à la grenade à fusil dans la staffette, c'est fait. Et puis pour le manuel de terrain, regardez ma vidéo de campagne. C'est tout pour cette mission, on se retrouve à la prochaine mission, ce qui veut dire que je vous dis que je vous aime, et à bientôt! M-Fan 8, Princess X3,